Salut à tous, c'est Timlo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft où je vais vous présenter le serveur, la map d'un pote sur Minecraft qu'il a créé hein, avec donc pour ceux qui sont sur Bedrock, exclusivement quand même pour ceux qui sont sur PS4 et PS5, il tient à ce qu'on soit tous en vocal quand on est en ligne, qu'on joue au jeu. Donc si ça intéresse les personnes, eh bien rejoignez-nous. À savoir que le nom de ce serveur est Minario et donc c'est globalement autour de la mine que ça se porte. Mais sinon, on a plusieurs modes de jeu, plusieurs mini-jeux aussi. On a quatre grands thèmes, on va dire c'est comme ça. On a les mines avec Minario, on a la ferme avec Xiona, on a la pêche avec Aquana qui n'est pas vraiment bien réputé. Et on a aussi Mob Arena, donc pour former des mobs et tout, voilà. Et aussi la Warzone pour faire sa propre base et tout. Bon, bah, après c'est un monde plat, hein, donc il faudra faire avec les ressources du serveur. Donc là, comme on peut le voir, on peut échanger donc, les ressources qu'on a collectées, donc les diamants, le quartz, etc. pour augmenter notre monnaie, à savoir qu'il y a 4 monnaies du coup, et 2 de plus, il y a aussi la monnaie, donc celle-ci, qui est en relation avec l'or et le cuivre, qui nous permet d'acheter, comme vous pouvez le voir, donc des spawners, donc pour faire des fermes en fait, hein, des fermes à mobs, des choses comme ça, pour automatiser, pour farmer. Sinon, on a plusieurs minerais à collecter, par exemple là j'étais allé chercher du cuivre, mais on a aussi évidemment du diamant, de la redstone, du lapis, de la pierre, de la cobble, enfin voilà, tout en fait, hein. Il y a à peu près tout. Et sinon on a des blocs par exemple de diamants comme ça, donc c'est vu que ça fait 9 diamants plutôt qu'un, ils spawnent pas tout de suite, hein, donc il y a un délai un peu plus grand. Et donc voilà, ça porte autour du farm, et on peut faire aussi des factions, hein, donc des alliances, et puis essayer de trouver les bases des autres en Warzone, hein, pour essayer de tout simplement de voler, hein, de se faire un maximum d'argent et compagnie. Sinon, on a aussi les blocs d'or, comme je l'ai dit, c'est pour une monnaie spéciale, parce que comme vous pouvez le voir, on a 4 monnaies, on a les coins en rouge, qui représentent Minario, donc pour acheter des items en relation avec tout ce qui est la mine, donc raccommodage, voilà, des enchantements fortune, etc., des pioches et tout et tout. Et sinon, là j'avais farmé un bon paquet de diamants pour pouvoir m'acheter du meilleur stuff. On peut aussi prendre du charbon et mettre dans les fours quand on a besoin de le chauffer. Faire attention à ne pas se faire voler quand on met dans les fours. Voilà, et donc si vous voulez rejoindre, il faut avoir un ami Lewis. Donc s'il y en a qui sont intéressés, je mettrai son pseudo PSN en description et vous aurez qu'à lui demander. Normalement, il vous acceptera assez souvent. Donc la plupart du temps, c'est en semaine que le serveur est ouvert, puisqu'il faut qu'il soit là, c'est pas un realm. Hein. Et sinon, on a aussi des boosts d'argent. Donc on peut aussi avoir des shulkers, comme vous pouvez le voir, qu'on peut poser exclusivement ici. Et des boosts dans le sens où par exemple les diamants sont en x2, en x3 ou alors le charbon en x4, voilà. Donc il faut faire attention, et là comme on peut le voir, c'est un peu tous les items qu'on peut acheter, donc des shulkers, des cannes à pêche, des enchantements, des pioches, et puis aussi des épées en bois par exemple pour commencer Mob Arena, etc. etc. Voilà, donc là j'expliquais un peu à un nouveau joueur. Et sinon, voici Aquana. Les deux autres serveurs, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo pour vous présenter ce qu'on peut faire dans les autres modes de jeu, on va dire ça comme ça. Donc là, Aquana, par exemple, avec donc un lac souterrain, un lac à l'intérieur d'une montagne, avec des chaises. Donc on a mis des add-ons, enfin ils ont mis des add-ons, les modérateurs, pour rajouter des chaises, des poissons, des animaux, etc. Et il y a aussi un système de lootbox. Enfin bon, bref, voilà. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à liker. Moi, je vous dis à plus. C'était Timlo. Ciao, ciao.